Bonjour, bonjour, chers futurs bacheliers et bachelières. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Dans cette vidéo, je vais vous parler des concours, des différents concours disponibles après le bac. Mon nom est M. Tipo Comlan de Béni. Je suis enseignant de SVT au lycée. Si c'est votre première fois ici, et vous voulez comprendre et réussir la SVT au lycée et dans les concours, commencez par cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. Avant de commencer, cliquez sur le bouton j'aime en dessous de la vidéo pour soutenir la chaîne. Et nous commençons maintenant. École supérieure de l'assistant administratif, ESAD. Encore, on va voir les conditions d'accès, les filières, la durée de la formation, intitulée du diplôme et les épreuves au concours. Donc, si on prend École supérieure de l'assistant administratif, qui est l'ESAD, conditions d'accès. Être titulaire d'un bac de A4 et G1, vieux d'un an au plus. Or, comme filière, on a entreprise et administration et on a aussi filière juridique. La durée de la formation, c'est 3 ans. L'intitulé du diplôme, c'est assistant administratif. Hein? Les épreuves au concours, il y a une pré-sélection et après, il y a un test psychotechnique et il y a l'école de français. École polytechnique de Lomé, EPL. Donc, pour domaine, on a sciences et technologies. Maintenant, type licence fondamentale. Mention sciences de l'ingénieur. Et comme spécialité, on a génie civil, génie électrique, génie mécanique, informatique et système. On a intelligence comme spécialité toujours. On a intelligence artificielle et big data. Et on a logistique et transport. Et là, quand on va toujours domaine des sciences et technologies, licence professionnelle, mention sciences de l'ingénieur. Et à ce niveau, les spécialités qu'on a, on a génie civil, génie électrique, génie mécanique, génie logiciel, système et réseau informatique. Institut des métiers de la mer, I2M. Les formations, on a licence pro en sécurité et sûreté maritime, licence professionnelle en port et manutention, L-Pro PM, licence professionnelle en transit, consignation et armement. On a aussi licence professionnelle en transport et assurance maritime. Conditions d'accès est titulaire d'un bac de toutes séries confondues. Institut supérieur des sciences de l'information, de la communication et des arts, ISICA. Conditions d'accès. Est titulaire d'un bac 2, A4 et G1, vieux d'un an au plus. Filière, on a filière communication des organisations, journalisme, et on a publicité et art graphique. Durée de la formation, 3 ans. Intitulé du diplôme, licence professionnelle. Hein? Épreuve au concours, il y a deux phases. Il y a une phase de pré-sélection et une phase de test écrit. Institut universitaire de technologie et de gestion, IT de gestion, en entrevue, ITG. Condition d'accès est titulaire d'un bac de C, D, G2 et G3. Filière, on a finance, comptabilité et gestion commerciale. Durée de la formation, 3 ans. Intitulé du diplôme, licence professionnelle. Épreuve au concours, on a deux phases. Il y a une phase de pré-sélection, une phase d'examen
qui consiste à des tests psychotechniques et culture générale. Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Condition d'accès, être titulaire d'un bac 2 et être âgé de 25 ans. Titulaire d'un bac 2 A, C, D. Filière, on a éducation et motricité EM ou EPS. Durée de la formation est 3 ans. Intitulé du diplôme de licence professionnelle. On a les épreuves au concours. On a épreuve écrite et on a on a culture générale et la SVT. Maintenant, côté filière, on poursuit au niveau de la filière. Au niveau de la filière là, on a jeunesse, développement commun, jeunesse, développement communautaire et entrepreneuriat. Voilà. Et la culture générale est une épreuve de quoi? Épreuve de jeunesse, développement communautaire et entrepreneuriat. École nationale de formation sociale, ENFS. Il y a différents cycles. Quand on passe cycle 1, le niveau d'entrée c'est le BPC. Quand on prend le cycle 2, le niveau d'entrée c'est BAC A, D, G. Les épreuves, il y a culture, il y a une épreuve de culture générale. 2 heures coefficient 3. Français, une épreuve de français, 2 heures coefficient 2. Période de lancement du concours, juillet, août, septembre. Et là, pour titre, ceux qui entrent avec le BPC, ils sortent agent de promotion sociale. Mais ceux qui rentrent avec le BAC, et ils sortent cadre de développement social. Maintenant, il y a aussi le cycle architecture, urbanisme, gestion urbaine, BAC 2, toutes séries confondues, pour être en classe de terminale. Donc, pour les épreuves, il y a maths, coefficient 3, dessin, coefficient 2, sciences physiques, coefficient 2, français, coefficient 2, culture générale, coefficient 3. Donc, période de lancement, fin avril et début mai. Et eux, ils sortent quoi? Ils sortent ingénieurs. Le titre, c'est ingénieur. École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. EAMO. Filière architecture. Niveau d'entrée. Bac 2, toute série confondue, ou être en terminale. Quand voici l'urbanisme, niveau d'entrée également, c'est niveau bac 2, toute série confondue, et être en terminale. Gestion urbaine, c'est également bac 2, toute série confondue, ou être en cas de terminale. Les épreuves, on a maths, coefficient 3, dessin, coefficient 2, sciences physiques, coefficient 2, français, coefficient 2, culture générale, coefficient 3. Donc, période de lancement, c'est fin avril et début mai. Et le titre, c'est ingénieur, sortie ingénieur. Centre international de langue de Lomé, CI2L, c'est ex-sirène du village du Bénin. Pour filière, on a secrétariat de langue. On a interprétariat. Niveau d'entrée, bac 2, toute série confondue ou être en cas de terminale. Donc, ici, les épreuves, il y a l'épreuve de français, coefficient 2, et aussi il y a l'épreuve d'anglais, coefficient 3. Et vous sortez comme le titre, c'est la licence professionnelle. Et là, pour l'épreuve de lancement, il suffit seulement d'aller. À la direction de ce centre situé sur le campus pour être situé. Centre de formation des professions de justice. On a département de magistrat, greffier,
notaire, huissier de justice, commissaire priseur, administration pénitentiaire et police judiciaire. Donc enfin, magistrat niveau d'entrée, c'est le master en droit. Greffier niveau d'entrée, c'est la licence. Pour le département de notaire, huissier de justice, commissaire priseur, administration pénitentiaire et police judiciaire, non ouvert pour le moment. Donc, période de lancement, c'est juin-juillet. Maintenant, École nationale supérieure de l'Atapamin, NS. Donc, il y a deux formules. Il y a la formule A pour ceux qui ont le niveau bac. Et la formule B pour ceux qui ont obtenu la licence. Donc, ceux qui ont obtenu le bac, qui ont le niveau bac, avec ceux qui ont obtenu le bac C, D et E, ils peuvent s'inscrire en option maths. Et en option maths, l'épreuve du concours en maths, 4 heures, coefficient 3, physique, chimie, 2 heures, coefficient 1. Et là, ceux qui entrent dans l'option sciences physiques, physique, chimie, pour l'épreuve, on a physique, chimie, 4 heures, coefficient 3, maths, 2 heures, coefficient 1. Voilà. Et ceux qui entrent avec le niveau bac, ils sortent avec un diplôme de licence professionnelle d'enseignement au collège. Là, ceux qui entrent avec le niveau licence, c'est ceux qui ont obtenu licence en français, en ISOGO, en anglais et en SVT. Donc, pour français, les épreuves dans lesquelles il faut composer français 4 heures coefficient 3, ISOGO 2 heures coefficient 1. Pour l'option ISOGO, histoire géographie, épreuve histoire géographie 4 heures coefficient 3, français 2 heures coefficient 1. Pour l'option anglais, anglais 4 heures coefficient 3, français 2 heures coefficient 1. Pour la SVT, voilà, SVT, épreuve sujet de SVT, 4 heures coefficient 3, physique chimie 2 heures. Et la durée de la formation, c'est 6 semestres, soit 3 ans. Et ceux qui entrent avec la formule B, ou avec la licence, et ils sortent avec licence professionnelle d'enseignement au lycée. Maintenant, École nationale de formation des professeurs d'école de Nortière, Table d'eau, d'Apparent, Adeta, Sotobois et Niamtougou. Niveau d'entrée, bac 2, tout serait confondu, ou titulaire d'un CAP d'enseignement. La sélection se fait en deux phases. Il y a d'abord la phase de présélection basée sur étude de dossier. Donc ici, les notes obtenues en français et en mathématiques sont considérées. Et après, il y a maintenant une sélection définitive. Il y a une sélection définitive par entretien devant un jury. La durée de formation est 2 ans. Pour plus de sortie, professeur d'école. Institut africain d'informatique. Institut africain d'informatique. Ici, on a les différentes filières. On a le génie logiciel et système d'information. On a administration des systèmes et réseaux. Et on a multimédia, technologie web et infographie. Donc, le niveau d'entrée, c'est être en terminale, avoir bac C, D, E et F2. Épreuves dans lesquelles ils composent en maths, sciences physiques et anglais. Période de lancement, avril-mai, et on sort avec un diplôme d'ingénieur. Dans les conditions pour intégrer l'Institut africain d'informatique, inscription au concours 5 000 francs. Inscription après admission au concours 15 000 francs et frais de la formation 600 000 francs par an. École nationale des auxiliaires médicaux, ENAM. Donc, les filières, on a infirmier et diplômé d'État, on a radiologie et imagerie médicale, masseur kinésithérapeute d'État, anesthésie et réanimation,
orthophoniste d'État, assistant d'hygiène d'État, ophtalmologie, auxiliaire d'État en pharmacie. Donc, le niveau d'entrée, c'est bac. Le bac, toutes séries confondues. Les épreuves. Une épreuve de français, 3 heures, coefficient 2. Et de SVT, 2 heures, coefficient 3. Pour tous les départements. Une épreuve de spécialité, 2 heures, coefficient 2. Dans les conditions suivantes. Sciences physiques. Pour infirmier du premier état. Radiologie et imagerie médicale. Masseur kinésithérapeute d'État. Et maintenant, pour mathématiques, option mathématiques, épreuve de mathématiques, pour ceux qui sont en anesthésie et réanimation, orthophoniste d'État et ophtalmologie. Maintenant, pour la chimie, pour la chimie, il compose en chimie, en plus des sujets. Dès le temps qu'on a cité un peu plus haut, ici, le français, les peu de spécialités en chimie pour les auxiliaires d'État en pharmacie. Donc, la période de lancement, c'est août-septembre. École nationale des sages-femmes d'État. Filière, sage-femme. Niveau d'entrée, bac 2, toutes séries confondues. Les épreuves, français, 3 heures, coefficient 2. Sciences physiques, 2 heures, coefficient 2. SVT, 2 heures, coefficient 3. Période de lancement, août-septembre. Le reste des informations sont identiques à celles du concours de l'ENAM, qu'on vient de dire, qu'on vient de voir les conditions là. Ces conditions, c'est ça, ils sont identiques à celles du concours d'entrée à l'École nationale des sages-femmes d'État. Maintenant, École africaine de la météorologie et de l'aviation civile à Sekna. Donc, pour le cycle 1, il y a cycle 1, cycle 2, cycle 3. Donc, quand on prend le cycle 1 et le cycle 2, le niveau d'entrée, c'est bac, avoir un bac C, D, E, F. Et là, les filières, on a exploitation de l'aviation civile, on a exploitation des télécoms, on a météorologie. Et là, pour cycle 2, on a comme filière exploitation de la circulation aérienne, exploitation des télécoms, météorologie, électronique et informatique. Et là, pour le cycle 3, le niveau d'entrée, on a BTS, DUT ou DUG 2 en sciences et en technique. En sciences et techniques. Maintenant, pour la filière, on a exploitation de l'aviation civile, météorologie, électronique et informatique. Donc, les épreuves, on a une épreuve de français, 2 heures, coefficient 2, une épreuve de sciences physiques, 3 heures, coefficient 3, une épreuve de maths, 4 heures, coefficient 3 et SVT 2 heures. Maintenant, ceux qui entrent avec le cycle 1 et ils sont techniciens. Maintenant, pour le cycle 2, ils sont techniciens supérieurs. Maintenant, pour le cycle 3, ils sont ingénieurs. Institut national de formation agricole, INFA de Tobé. Donc, on a cycle 1, cycle 2. Maintenant, si on prend cycle 1, niveau d'entrée BPC, les filières, on a foresterie et gestion durable des terres, on a agro-équipement,
Voilà, agro-pastoral. Les épreuves, il y a français, 2h coefficient 2, science fiction, 2h coefficient 3, maths, 2h coefficient 3, physique aussi 2h. Et ils sont avec un bac professionnel agricole. Maintenant, pour le cycle 2, bac C et D. Les filières, on a agriculture, on a production, santé animale et halieutique, on a agroalimentaire, machinisme, agricole, aménagement et ouvrage hydro-agricole, foresterie et voilà, foresterie et gestion durable des terres. Voilà, ça. Foresterie et gestion durable des terres. Mais là, les épreuves communes, il y a français, 3h coefficient 2, sciences physiques, 3h coefficient 3, et maths, 4h coefficient 3. Épreuve de SVT, 3h coefficient 3. Pour quand ils donnent 1, 2, 3, 4 et 6, c'est pour les différentes filières que vous avez citées ici. Donc, pour SVT, 3h coefficient 3, c'est pour ceux qui sont en agriculture, promotion, production, santé animale et halieutique. Et il y a ici agroalimentaire. Et le 6, on a foresterie et gestion de l'environnement. Donc, maintenant, construction mécanique, question 3, pour 4 et 5. 4 et 5. 4 et 5, on a machinisme agricole et on a aménagement et ouvrage hydro-agricole. Donc, ils sortent avec les centres professionnels agricoles. École de formation des officiers des forces armées togolaises, EFOFAT. Niveau d'entrée, licence et maîtrise ou master 2. Les épreuves. Épreuve écrite par niveau et par spécialité. Et puis il y a aptitude physique. Profil de sortie. Sous-officier des forces armées togolaises. Donc pour licence, il faut avoir 25 ans. Et pour la maîtrise, il faut avoir 27 ans. Si tu as maîtrise, il faut avoir 27 ans pour intégrer l'école. Maintenant, école des services de santé des armées de Lomé, ESAL, communément appelé médecine militaire. Donc, les épreuves, on a français 4h coefficient 2, maths 4h coefficient 3, physique chimie 3h coefficient 3, SVT 2h coefficient 3. Période de lancement, début mars, et titre médecin militaire. Condition d'admission, être âgé de 21 ans au plus à la date du concours, est titulaire du bac 2 des séries C ou D datant de moins de 2 ans ou être régulièrement inscrit en cas de terminal C ou D, avoir déposé un dossier complet de candidature, avoir obtenu un bac 1 pour les élèves des classes terminales ou bac 2 pour les bacheliers et avoir les moyens du tableau ci-dessous. Dans la matière de français, quand vous êtes en série C, il faut avoir une note supérieure ou égale à 8. Deux également, il faut avoir une note en français supérieure ou égale à 8. Là, en mathématiques, si vous pouvez obtenir la série C, bien, si vous êtes en série C, il faut avoir une note supérieure ou égale à 11. Mais la série D, il faut avoir une note supérieure ou égale à 10. Matière physique chimie, il faut avoir une note supérieure ou égale à 11 quand on est en série C et avoir une note supérieure ou égale à 10 quand on est en série D. Et là, science de la vie et de la terre. En série C, il faut avoir une note supérieure ou égale à 10 et en série D, il faut avoir une note supérieure ou égale à 12. Avoir au moins mention assez bien.
Elle dépose chaque pièce fournit l'original et une photocopie légalisée. École des assistants médicaux, EAM. Ce concours d'entrée à l'EAM est exclusivement organisé à l'intention des professionnels, fonctionnaires ou contractuels de la santé, âgés de 45 ans ou plus, ayant au moins 5 ans d'expérience professionnelle dans les filières suivantes: anesthésie et réanimation, radiologie et imagerie médicale, santé environnementale, instrumentalisation chirurgicale des blocs opératoires, santé mentale, ophtalmologie. Centre de formation des métiers de l'industrie. Le concours est ouvert dans 5 filières: mécanique diesel, engin de chantier, poids lourd, groupe électrogène, mécanique moteur, en chaudronnerie, soudure et tuyauterie industrielle, soudure à l'arc électrique avec électrode enrobée, soudure TIG, MIG, MAG sur produits en acier, aluminium et inox, fabrication et assemblage de lignes de tuyauterie. Filière mécanique d'entretien, mécanique industrielle, pneumatique, hydraulique, ajustage, usinage et maintenance. Filière électromécanique d'entretien, électricité industrielle et bâtiment, automatisme, régulation, logique câblée, logique programmée. Filière climatisation et froid industriel, climatisation individuelle et centralisée, traitement d'air, production d'eau glacée, chambre froide. Les conditions d'accès au concours. Les conditions d'accès à cette école. Donc, conditions au concours: être titulaire d'un baccalauréat F2, F3, F4, F1, TI, E, C, D, A, G1, G2, G3. Le dépôt des dossiers se fait au siège de CFMI à Lomé et le concours est lancé généralement en mi-août. École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Les lieux de formation sont basés au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Le concours comporte 4 options. Première option, ingénieur statisticien économiste, ouverte aux étudiants justifiant d'une inscription en 3e année de licence en mathématiques ou sciences économiques et aux titulaires d'un diplôme d'ingénieur des travaux statistiques. Deuxième option, ingénieur statisticien économiste, cycle long et analyse statisticien. Voilà. Ingénieur statisticien économiste, cycle long et analyse statisticien, ouvert aux candidats titulaires d'un bac C, D, E ou justifiant d'une inscription dans une classe de terminale. L'admission de ces derniers est prononcée sous réserve de l'obtention du baccalauréat à la fin de l'année scolaire en cours. Les inscriptions aux différents concours d'INSEA se font entre décembre au 31 janvier pour les concours d'entrée dans les filières d'ingénieurs et du mois de décembre à mars pour les concours d'entrée dans les filières de techniciens. Chaque candidat doit se renseigner à l'Institut national de la statistique ou à toute autre institution chargée de l'organisation des concours dans son pays. Pour le Togo, c'est au niveau de l'INSIB, CISE à Sénéti, à côté de la CEB Lomé.